Dans ma jeunesse, Parvana, j'ai connu la paix qui régnait ici. Les histoires demeurent dans nos cœurs, même quand il n'y a plus rien. Elle devrait être à la maison. Ce n'est qu'une enfant, elle ne pensait pas à mal. Elle attire l'attention sur elle. Peut-être devrais-tu arrêter de la regarder. Il y a des femmes à l'intérieur, couvrez-vous immédiatement. C'est lui, il a des livres interdits. Où est-ce qu'ils vont l'emmener? En prison. Papa! Chut, Parvana. Tout va s'arranger. Il reste à peine de quoi manger. Je suis vraiment désolé. Demande à ton père de venir te les acheter. La fille! Arrête-toi quand je te le demande! Les marchands ne vont pas risquer d'avoir des ennuis en te vendant quelque chose. Est-ce que j'ai l'air d'un garçon? C'est moi, tu vois? Parvana! Josia! Quand on est un garçon, on peut aller où ça nous chante. Regarde ce que j'ai là. Peux-tu croire qu'il existe une eau aussi bleue? Notre vie ne peut pas dépendre de toi. Pourquoi? J'ai bien subvenu à vos besoins. Une guerre se prépare. Tu n'as pas entendu? Il faut partir tout de suite. Je vais retrouver Baba. Il n'en est pas question. J'y vais et tu n'arriveras pas à m'en empêcher. Et si je te mettais tout ça en histoire, hein? Est-ce qu'elle finit bien ton histoire aussi? Elle finit mal. Écoute et tu verras.